c'est le matin, faut te réveiller, c'est lundi, il va falloir aller travailler. On est le 16 décembre, c'est Bad News de l'Avent, Jingle Bell. Je veux un membre des gardiens de la galaxie. Ah mais non, c'est plus large. Hulk vert. Ah non, série Netflix. Avec le crâne sur le ventre, Punisher. Punisher, bonne réponse. Il a les cheveux en arrière. Ouais, comme dans la BD. Ah, dans la BD, il y a les cheveux en arrière ? Ouais. Allez, on part sur cette loi improbable des États-Unis. Nous sommes en Californie et croyez-moi, il y a assez de lois en Californie pour tenir pendant plusieurs émissions. Il est illégal de tirer au fusil sur quoi que ce soit depuis sa voiture, sauf si c'est une baleine. À Pacific Grove, la chasse aux papillons peut rapporter une amende de $500. À Pasenada, il est illégal pour une secrétaire d'être seule avec son patron. Bah écoute, si ça peut la protéger. Il est illégal de monter un piège à souris sans permis de chasse. Allô chasseur, est-ce que vous pouvez venir chez moi, j'ai un mulot qui se balade là. À Long Beach, il est illégal de jouer au mini-golf. Ah putain. À San Francisco, il est illégal de nettoyer sa voiture avec des sous-vêtements usagés. Prenez des éponges. À Los Angeles, un homme peut légalement frapper sa femme avec une ceinture de cuir, à condition que la ceinture fasse moins de 2 pouces de large, ou s'il a l'autorisation de sa femme d'en utiliser une plus large. C'est hyper technique. Non mais c'est d'une précision effrayante. En parlant de frapper sa femme, parlons du conseil commercial de Noël. Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. Alors non, à l'intérieur on frappe pas de femme, mais ça parle quand même d'un manipulateur, un pervers narcissique. C'est une histoire d'amour qui tourne très mal. Cette bande dessinée est énorme, elle est très très belle. Elle a été extrêmement bien vendue et c'est normal parce que c'est une très belle histoire vraie. D'abord c'est une histoire d'amour et on voit comment une histoire d'amour peut vriller et comment se sortir d'une histoire toxique. Bref, cette bande dessinée est magnifique et quasiment indispensable. On passe à la bad news de Joe Seven. Elle est très courte, Thomas, c'est des mecs qui voulaient carjacker un gars en disant vas-y ouvre la porte, le gars a vu arriver les mecs, il a fermé sa portière et l'agresseur est mort. Comment est-il mort ? Et comment est-il mort ? Et ben en fait, il braquait le gars au fusil à pompe, le gars a fermé la portière et le gars fait ah ouais ? Ah ouais ? Il a pris son fusil à pompe et il a donné un coup de crosse dans la vitre. Bon, il est mort. Le il s'est de... auto-fusil à pomper. Ça a dû le charcuter. Beaucoup d'hommes essayent de s'auto-pomper. Il a réussi. Grand homme. À demain. À demain. Pourtant, que la montagne est belle, comment